Allô, allô! Et salut à tous, c'est Ledu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live, un live assez court, il fera pas plus d'une demi-heure celui-là, parce que j'ai pas tant de temps que ça. Mais vu que j'ai déjà pas pu stream hier, j'avais envie quand même d'avancer un poil sur notre ami, notre jeu vidéo en vue de la Game Jam. La Game Develop 3D Jam, sur le thème de la navigation, pour rappel, qu'on avait commencé il y a quelques jours. Et donc voici la carte. Pour rappel, très rapidement, on fait un jeu de livraison de pizza avec un timer. Alors là, je l'ai désactivé pour des besoins de test. Mais où on devra aller d'immeuble en immeuble ou de rue en rue pour atteindre nos objectifs le plus rapidement possible. Et pour avoir un tips, un petit pourboire. Donc pour l'instant, voilà l'avancée du projet. On a des routes simplistes avec des petits problèmes de raccord comme ici. Là on a de la terre. Elle a des immeubles de tailles différentes, mais qui ont la même texture pour le moment. On a juste de l'herbe là, qu'on a ajouté dernièrement. On a jusqu'au 29 pour au soir, il me semble, pour terminer ce jeu. On verra jusqu'où ça nous mène. Pour l'instant, je suis assez content de ce que j'ai fait, compte tenu que c'était la première fois que je faisais un jeu en 3D en vue première personne dans Game Develop. Et donc, notre dernier ajout qui n'est pas encore terminé, c'était ça, c'était les espèces de préaux, quoi. Des petites plateformes où on peut passer en dessous et au-dessus. Donc, on avait terminé d'ajouter l'hitbox en dessous. Donc là, je ne peux pas sauter. Mais je peux aller au-dessus. Et le problème, c'est que je traverse si je vais de côté. Vous voyez que là, hop, j'ai traversé l'objet. Et pareil ici. Donc il faut trouver un moyen, avec le code, de rajouter ces bordures-là. Parce que le problème, c'est que finalement, dans Game Develop, les objets qu'on voit en 3D, ils sont faits dans une carte en 2D comme celle-ci. Et tout est rajouté artificiellement, si je puis dire, à travers une extension. En tout cas, moi, j'utilise l'extension de PandaCo. Et donc, pour minuteur, le saut, la hauteur des pieds, les collisions, voilà. Ici, on a la collision du préau, donc qui fonctionne si on est en dessous. Voilà, si on est en dessous, on empêche le saut. Donc ça, c'est la variable de saut. Si on a la stamina à 0, on ne peut pas sauter. Et aussi, quand on est au-dessus, eh bien ça, vu qu'il fait partie du groupe obstacle, eh bien, quand on est en collision avec cet obstacle par le dessus et qu'on est au-dessus de cet obstacle, eh bien on règle la hauteur des pieds pour pouvoir marcher sur le préau. Sauf que on a fait le bas, le haut. Comment on va faire pour faire la hitbox du côté? C'est une très bonne question. J'ai pas encore la réponse, honnêtement. Il faut que j'y réfléchisse. On va utiliser C'est moi à réfléchir. Oui, en fait, on sait que les données que nous donne le jeu, on a la hauteur qui est définie par l'axe Z. Vous voyez que là, il y a X, Y et Z quand je sélectionne un objet. Donc ça, c'est la hauteur relative dans le monde. Et on a une profondeur qui se fait ici, une profondeur de 32. C'est des pixels, voilà, de hauteur. Donc, quand on est en jeu là, le côté là, il fait 32 de haut. Ça, c'est notre donnée. Donc, ce qu'on peut utiliser, c'est la position du joueur et vérifier que le joueur ne soit pas entre la hauteur, le bas, entre le bas et le haut de
de l'objet. En fait, on va simuler une hitbox finalement. Mais à notre manière. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Attendez, je vais faire une espèce de schéma rapidement, parce qu'en une demi-heure, il faudrait que ça fonctionne. On s'en fout, ça, merci. Ça, c'est nous. On est beau, c'est fou. Et là, on a un immeuble. On peut pas y aller, c'est bon. On a le préau. On va vérifier. La hauteur de la caméra. Non, c'est la hauteur de la caméra, c'est ici. Concrètement. En gros. Bon, c'est pas très réaliste, mais. Et on va simuler, on va calculer la hauteur des pieds. Et on va vérifier que cette hauteur-là, là, elle ne soit pas comprise ici. Si c'est le cas, alors on n'a pas le droit d'aller dans ce sens-là. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Ok. Ah non, 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 non. Il veut me faire une mise à jour. Ça va faire bugger mon affichage. Non! Ok. Je viens de copier un truc. Non, non, j'ai pas encore commencé. Donc on va faire un objet pour un événement pour tous les objets préau. On va. Merde, je n'ai pas supprimé le mot. On va vérifier. Alors voilà, la the order de caméra. Si the order de caméra est plus petit que la hauteur du préau plus 64 plus 69 7, c'est ça. Alors c'est pas très clair, mais si je réexplique tout, hop, ça va être long. Hop. On va déplacer caméra loin de préau. Je sais pas du tout si ça fonctionne ce que je viens de mettre. Ça avait pas marché là. Il faudrait que je fasse un autre préau. Donc ça, ici, sont les préaux. Le problème, c'est qu'ils ont la même texture que tout le reste pour l'instant. Donc on le changera après. On va en mettre un à 300. Ah non. Au contraire, on va en mettre un à 0. Ok. Ou à 50. Et donc, regardez, je vais désactiver ça pour le moment. Là, voilà, concrètement, je traverse le préau. Si je ne suis pas en dessous ou au-dessus. Maintenant, si j'active mon événement, on va voir si ça change quelque chose. Absolument pas. Donc j'ai mal fait mes calculs. Bon, je ne peux pas sauter une fois que je suis dedans. Pour chaque instance de préau, le order de caméra est plus petit que Zion. Oui, en fait, je crois que j'ai inversé, c'est pour ça. Ouais, et il est plus grand que ça. Que le moins 64. Ok. Alors là, pour l'instant, c'est bon. Regardez, on a une collision. Mais ça ne nous dit pas. Ok. Si le reste fonctionne. Alors oui, je peux sauter. Je peux aller en dessous. Ah. Et là, par contre, on a le. Le problème qu'on avait au début, c'est que ça nous déplace. Ça veut dire. Ça veut dire qu'il nous faut une petite différence pour ça. Là, on va ignorer le bord parce que j'ai vu qu'il y avait un problème déjà. C'était que quand j'étais collé, je pouvais pas sauter. Voilà. Ah, là, je peux pas. Là, si je cours, là, j'avance, je cours et du coup, je peux pas sauter parce que ça met ma stamina à zéro comme si j'étais en dessous du préau. C'est un problème. Mais si j'arrête.
C'est bon. Ah ouais. Alors comment on va faire pour éviter que ça se mette? Le problème c'est ça. Parce que ça se met, ça s'exécute même si la stamina... On va mettre plus petit que plus 1. On va faire une hitbox de latérale un peu plus fine. Là. Est-ce que ce serait bon là? Non. Ah! Je m'y perds. Excusez-moi, il faut que je réfléchisse. Donc caméra. Et en dessous de la hauteur de base. Plus l'offset. Donc c'est-à-dire, elle est en dessous du haut de la plateforme. Mais elle est au-dessus. Ah mais non, mais du coup, il faut juste que je fasse ça. Hop. Et au-dessus du bas. Oh, ah bah c'est bon là, ça fonctionne. Je crois que j'avais juste mal défini la condition. Donc là, je peux aller au-dessous. Je peux pas aller sur le côté. Tac, là, ça m'empêche. Là, je peux passer genre pile poil, mais je peux pas sauter. Je peux aller là-dessus. Ok. Ah, et là vous avez vu que j'ai réussi à traverser, par contre. Est-ce que je peux régler ce problème? Ouais. Est-ce que du coup j'arrive à traverser, quoi? Ou est-ce qu'on dit que c'est pas grave? Vu que on a le temps, je pense que je vais me pencher un peu plus là-dessus. Après, ça reste une situation assez niche. Et là, voilà. J'ai traversé. Oh. Ah oui. Ouais, du coup, il faut être un peu plus dur que ça. La caméra est plus haute que moins 64. Parce que la hauteur, la caméra est à hauteur 64 parce que nous mesurons 64 pixels. Ah là. Ah, on dirait, ça a l'air de marcher plutôt pas trop mal. Là, j'ai été poussé. Là aussi. Là, j'ai traversé. Là aussi. Ça a l'air d'être mieux déjà. J'ai l'impression qu'en fait, c'est en haut. Parce que si j'arrive dans d'assez haut, du coup, c'est bon. Ça me prend. Ah. En fait, on a le temps de clipper dedans. Il faudrait que. Qu'on soit un peu plus large que ça. Non. Voilà.
Là, vous avez vu le truc bizarre qu'on a eu à la caméra? Voilà, j'ai réussi à sauter. C'est très très bas du coup. Là, j'ai réussi à passer au travers. Ok. Là, ça m'a replacé. Là, ça m'a replacé. Là, ça m'a poussé. Ah! Attendez, je peux plus passer? Nouveau ça. Est-ce que du coup, si je le monte un tout petit peu, je vais le rapprocher d'ailleurs. Est-ce que là je peux passer ou pas? Ah, je. On peut plus passer en dessous. Ah, ça me re-téléporte. Ok, donc on a refait un bug, attendez. Ah oui, non, c'est parce que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ouais, parce que avec la condition que j'avais placée juste avant, là, ça voulait dire que même si je traversais pas l'objet, du moment que la caméra était juste en dessous du préau, et ben ça me téléportait. Donc on peut pas compter là-dessus. En fait, faut pas compter ce. Le problème, c'est que ça, c'est pas un pro. Ok, faut pas compter si la caméra est plus basse que le préau. Faut compter si les pieds sont plus bas que le préau. Il faut pousser. Sauf que les pieds, ils sont 64 pixels plus bas que la caméra. Donc, ces caméras est plus petit que cette valeur plus 64, du coup. Est-ce que vous me suivez? Là, c'est mon. Ah, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est mon. Là, c'est bon. J'arrive pas à savoir. Oh. Ah oui, excusez-moi, j'ai eu un bug avec ma caméra. Il faudra que je règle un problème, c'est-à-dire que je peux retourner ma caméra et ça inverse les les commandes. Ça fait très bizarre. Donc là, collision normale. Là, je peux passer. Hop. Je peux pas sauter plus haut. Ok. Hop, oui, là, la collision se fait parfaitement parce que ça prend en compte tout mon corps, pas juste le point de la caméra. Ok. Oh les gars, je crois que c'est bon, on le tient. Tac. Yes. Oh, ça marche. Oh, c'est satisfaisant. Là, je suis en train de faire un truc de base que. Genre dans Unity, il aurait sûrement pas besoin de faire, je sais pas, mais dans d'autres moteurs de jeu, ça marcherait sûrement pas comme ça. Mais là, voilà, j'ai codé des hitbox procédurales, quoi, en gros. Et bah, c'est très très bien. Du coup, aussi, ça devrait marcher avec toute hauteur et largeur de préau, hein. Normalement, il n'y a aucun problème. Voilà. Par contre, ouais, si je me colle, je peux pas sauter. Donc ça, c'est chiant. Attendez, il faut que je fasse en sorte que ça ne gêne pas. Parce que ça vient d'ici. Ça vient de ça. Si je le désactive.
Sauf que là, du coup, bah, je peux sauter au travers. Donc, comment faire pour que ça ne s'active pas tout le temps? Le Z-Order de caméra est plus petit. Que le préau. En fait, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en faire autant. Et plus petit que ça. Ah! Non, là, je ne peux toujours pas sauter. Je peux toujours pas sauter. Ah oui, parce que ma tête est quand même trop basse. Si j'enlève ça. Ok. Pas sûr que ça marche à tous les coups, mais pour l'instant, ça a réglé le bug. Mais il pourrait qu'on voit un autre bug. Ah non, parce que maintenant j'ai fait les collisions de côté. Ok. Tung. Tung. Là, c'est bon. Là, je peux sauter normalement. Et si là, je fais ça, c'est bon. Mais c'est parfait! Et voilà. Encore un bug de résolu, finalement. Parce que je suis pas un programmeur de génie. Et pour terminer, j'aimerais juste faire une nouvelle texture pour ces préaux, un truc qui fonctionne un peu mieux, parce que bon, c'est carré, là, on va dire que c'est ok pour les toits, encore que je pense que j'y reviendrai, hein, parce que ça me plaît moyen. Je pourrais faire une texture plus grande, d'ailleurs, pour les toits, je sais pas. Faudrait y réfléchir. Peut-être une texture gravier, là, comme sur certains toits, il y a du gravier, des fois. Sur les toits, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Un préau. Un préau. Préau qui aille avec cette esthétique. Qu'est-ce qu'on aurait? Je pense un truc pas trop texturé. On sait que de hauteur, ça fera toujours 32. En tout cas, cela. Je pourrais en faire d'autres, mais pour l'instant, ceux-là, ils resteront à 32, ça me va. Donc, il faut faire la texture. Oui, mon cœur. Ok. Je vais bientôt y aller. La texture, on va la penser comme ça. Et en dessous, faut que ce soit plat, je pense. Pas grand-chose. Et au-dessus, on verra. Ok. Alors, je vais ouvrir un éditeur d'image. J'ouvrir voilà. Qu'est-ce qu'on va... On va ouvrir ça. Ok. Et on va tout de suite le sauvegarder à un autre nom. On va mettre préau. Parce que j'ai vraiment pas envie d'écraser un fichier qui existe déjà. Donc déjà pour le dessous, je pense que on gardera ça tout plat. Préau bas. Ouais. Pour le dessus. Peut-être qu'on va garder ça, on essaiera. Sûrement pas, non, en fait. Peut-être que justement, en dessous du préau, on utilise le Bordeaux. Le Bordeaux, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme couleur là-dessus? Pas grand-chose. Et ce qui compte, ce sont les côtés. Les côtés qu'on va mettre en tiled mode sur l'axe X. Et on va changer le canvas width 32. Voilà. Non!
32. Ok. Ça, c'est un côté. On va mettre des bords en haut et en bas déjà. Je pense. On est d'accord. Je pense pas que je vais en mettre au bord parce que j'aime pas. Enfin, sinon ça va se répéter comme sur le toit et le toit ça rend pas si bien. Bon écoutez, déjà venez, on fait un truc de base. Côté, je sais, je vais éviter les accents au cas où. Et le haut. Le prix haut. Voilà. Donc, attendez, on a prix haut bas, prix haut côté. Je ferme. On change. Top. Finalement, je vais mettre le bas en haut pour l'instant. Parce que je suis pas trop sûr que ce soit la bonne solution. Et sur tous les autres côtés, ce sera pris au côté. Est-ce que je peux juste copier en fait? Non, ça marche pas. C'est chiant. Hop. Hop. Et hop. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Alors du coup, le bord du côté se blend avec le bas. Et je sais pas si j'aime bien. On va peut-être ajouter un peu de profondeur quand même, hein, le rendre plus sombre en bas. Et au-dessus, bah, du coup, ça se blend in avec ça. Un peu trop simpliste. On va rouvrir. S'il veut bien. Prix haut côté. Prix haut bas. Lui, on va le rendre plus foncé. Justement, brightness moins 20. Et on va le désaturer un peu, je pense. Vas-y, moins 20 aussi. La différence, c'est pas ouf. Côté. En vrai, en haut, du coup, le haut et le bas et le haut sont inversés, mais tant pis. Je veux un truc aussi plus désaturé. C'est pas beaucoup 20, ouais. Normalement, les textures vont se mettre à jour toutes seules. Voilà. Oh là, c'est super fade du coup. Le top. Oh, c'est pas mieux. En bas, c'est bien, je pense. Ça fait sens. On est obligé de simuler un peu les ombres vu qu'il n'y en a pas du tout pour l'instant. C'est tout plat. Donc ça ira pour le bas. Le côté, ça me dérange pas. Peut-être que je rajouterai des rayures, des lignes pour, je sais pas, pour faire une démarcation. Encore que. Mais, c'est le dessus qui ne va pas du tout. Allure. On va.
que je le fais gris, quoi? Est-ce que je le fais gris avec un tout petit peu de... Putain, mais ça marche pas du tout là, en fait. Pourquoi il veut pas m'utiliser le... Color mode. Ah, j'étais en indexé. Ok, là c'est gris. On va faire tile mode. Qu'est-ce que ça donne? Sûrement horrible. C'est trop texturé, hein. Ouais. Ouais. Puis ça fait encore un truc gris, alors bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit pas gris? Le problème, c'est que le bleu, c'est plutôt les fenêtres. Déjà, il y a trop de contraste. Et je fais ça et après j'y vais parce que là, il est l'heure pour moi de m'en aller. Je vais mettre une très légère teinte de bleu. Et je vais changer de teinte. Non, il faut que j'utilise ça. Ah! Oh, je suis con. Ok. Le misclic. Bon, ça va pas du tout. Ça ne me plaît pas. Mais on verra ça demain sûrement. Je vous retrouve demain. En tout cas, on a des préaux qui vont nous permettre de faire des nouvelles plateformes un peu plus libres, hein, un peu moins de bâtiments tout lisses. Et ça, ce sera bien. On s'en servira demain. Bisous, bonne soirée.